Salut à tous, c'est Daxitram. On se retrouve pour la vidéo présentation du Xelor pour Dofus Retro Monocompte. Voilà. Le Xelor, il est axé retrait PA et retrait PM. Notamment avec le sort ralentissement. Voilà. Contre, ça permet de renvoyer des dégâts. Le sort aiguille, ça lance une aiguille sur un adversaire. Ça peut nous ajouter un PA de temps en temps. Ensuite, vous avez gelure. C'est un sort R. Ça peut nous ajouter un PA dans certains cas. Sablier des Xelor. Ça fait perdre un PA aux ennemis. Ça peut nous en ajouter un. Rayon obscur. Ça peut nous ajouter un PA et voler un PO. Un PO qui peut... Ouais, on dit voler, mais bon. La téléportation, ça permet de vous téléporter quelque part sur la map. Ça peut aussi nous ajouter un PA. Ou ça ajoute un PA, en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça peut, mais ça le fait, en tout cas. On verra, mais le Feka, il a un sort similaire. Voilà. Ensuite, vous avez flétrissement. Pareil, un sort R, comme gelure, mais quand même différent, qui ajoute un PA. Vous avez le sort flou. Ouais, ça enlève encore des PA, ça nous en ajoute un, comme tous les sorts, en fait, quasiment. Ouais, encore, là c'est en zone, il me semble. Vol du temps, ça vole 2 PA. Aiguille chercheuse, pareil, ça nous ajoute un PA. Dévouement, encore. Enfin, bref, tous les sorts font à peu près la même chose. Je ne saurais pas trop vous expliquer parce que. J'ai jamais trop joué un Xelor sur Dofus Retro, ni sur Dofus normal d'ailleurs. Momification, ça nous transforme en momie et ça donne quelques trucs en plus. Horloge, c'est un gros sort haut qui vole des PA. On peut le faire plein de fois, je crois, si on utilise bien les autres sorts. Frappe du Xelor, pareil. Et cadran de Xelor. Enfin voilà. Il y a deux invocations. Après sur Dofus 2.50, on peut faire des trucs de fou avec un Xelor. Là, je sais pas trop, je pense aussi, mais je m'y connais moins. Voilà. Enfin d'ailleurs, l'autre non plus, j'y connais rien. Mais voilà. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. Et likez. Et je vous dis à demain pour la vidéo présentation du SRAM. J'aurai peut-être un peu plus de choses à dire parce que je m'y connais un petit peu plus en lui. Voilà.